trop bien. Oh là là. Eh ben salut à tous. Bon ben voilà, une fois de plus, j'ai pas résisté à la tentation de venir profiter de cette superbe perle qui est la Sierra de Guara. Et ce soir, je vais m'installer au camping de Nocito. Bon, en tout cas, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Petit miel de Galice là. Pas mal. Reste de Pardina della Torre. Ça, on a l'impression que si une sauterelle se pose dessus, ça se casse la gueule, quoi. Oh, il fait quand même 47 à l'ombre. 37 à l'ombre. 47. Alors ça, moi, je dis, c'est pas un chêne. C'est un monument. Encore des ruines. Bon, là, je viens de me faire une montée de la mort, là. Terrible. J'ai pas pu tout faire sur le vélo. En électrique, ça l'a fait, mais là, il fait une chaleur. J'ai pas eu assez d'énergie, quoi. Bon, la montée terrible là, elle est bien récompensée quand même. Derrière là, il y a du super single. Super, super. Du coup, on regarde pas la montée, quoi. Trop classe. Thank you.
pieds, mais qu'est-ce que ça fait de bien. Alors là, après avoir fait un petit bout de route, je vais traverser un des rares villages qui ont été préservés de cette zone centrale de la Sierra de Guara. Bon, là, je viens de croiser un groupe d'Espagnols là, qui revenaient derrière le village là, avec là, des broussailleuses et tout. Ils avaient bossé comme des fous avec la chaleur. Là. Et du coup, il m'a ouvert le robinet à fond pour que je puisse profiter de la fontaine. Là, il va se passer quelque chose. Oh. Ah oui. Oh, oh la ronce. Oh, oh, yé, yé. Oh. Ah ben, il y a encore des trucs. Quel parcours, mamie. C'est pas du pipi de chat, ça. Eh bien, ça c'est bon. Une équipe de Martini qui tourne autour de la terrasse, wow, c'est des vrais fonjo. Après cette excellente bière fraîche, retour au camping par la petite rue principale de Nocito. Oh, c'était une excellente randonnée, parcours génial, putain c'était bon, juste technique comme il faut, des marches, du rocher adhérent, que du bonheur quoi.